الرقية تنقسم إلى قسمين، La ruqya se divise en deux catégories. رقية شرعية ورقية شركية. Il y a une ruqya qui est légiférée et une ruqya qui est de type polythéiste. الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. Alors la ruqya qui est légiférée, elle doit comporter trois conditions. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل من رقية شرعية إلى رقية شركية. Si il manque l'une de ces trois conditions, eh bien elle passe de ruqya légiférée à une ruqya de type polythéiste. أن تكون من الكتاب أو السنة. Donc cette ruqya doit provenir exclusivement du Coran ou de la Sunna. يعني يقرأ الفاتحة مثلا. C'est-à-dire, par exemple, il peut réciter sourate al-Fatiha. أو يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Ou alors, il prononce l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je cherche protection auprès d'Allah par ses paroles parfaites. الشرط الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، يعني لابد أن تكون باللغة العربية. Donc il faut que les formules qui soient prononcées soient en langue arabe avec une parole qui est connue et comprise. وأن نفهم هذا الكلام. Et qu'on comprenne ce qui est dit. يعني لا يصح نقول هكذا. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le raqi, celui qui prononce ces paroles, soit compris. لا يوجد عندنا رقية إلا باللغة العربية. On ne peut faire la ruqya qu'en langue arabe. ولابد أن يرفع الصوت بالرقية حتى نسمع ما يقول. Et il doit également élever la voix pour qu'on entende et qu'on comprenne ce qui est dit. الشرط الثالث أن نعتقد أن الرقية سبب وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار. La troisième chose qui est très importante, c'est que la ruqya n'est qu'un sebab, c'est une cause, et que celui qui guérit, le seul guérisseur, c'est Allah سبحانه وتعالى. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في الرقية فهي رقية شرعية. Donc si ces trois conditions sont réunies, alhamdulillah, cette ruqya est légiférée et légale. وإلا تنتقل إلى رقية شركية والله أعلم. Sinon, dans ce cas-là, ça devient une ruqya qui est de type polythéiste.